Amen. 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 Am
c'est quoi? Chauffeur! Chauffeur, chauffeur, chauffeur! Dans ce bon chauffeur, chauffeur! Gloire à Jésus! Vraiment, aujourd'hui c'est votre temps. Appelez-moi tout le monde. Vraiment, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Tu as quitté depuis. Comment est-ce que ça? Voilà. Et comment tu as connu c'est le frère Isaïe qui a évangélisé. Tu as pris l'engagement de marcher avec Jésus-Christ dans la vérité. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui en ce merveilleux jour de ton baptême? Vraiment, c'est une joie pour moi aujourd'hui de venir ici pour être baptisé. Alléluia. Et qu'est-ce que tu promets de faire pour l'œuvre du Seigneur dans la marche avec Jésus après ce baptême? Après ce baptême, je vais rester derrière Jésus. Je vais louer Jésus. Je vais rendre gloire à Jésus pour ces merveilles qu'il a fait. Là où Jésus a été crucifié, et Isaac était parti là-bas. Alléluia. Tu te rappelles? Tu te rappelles la parole d'Isaac? Isaac a dit une parole. Alléluia. D'abord, ce qui va te donner vraiment, c'est un boulot. Tu te rappelles pas de la parole d'Isaac? Sa maison. Tu sais, Isaac a dit que son père le conduit de sacrifier. En attendant, il va te donner un grand boulot. Il le sacrifie comme le un grand boulot. Tu vas commencer par le Seigneur. Je suis habitué comme Isaac. Tu vas voir. Il va t'inspirer. Je suis comme Isaac. Et il va aussi te donner un grand boulot. Avec deux boulots. Un boulot que ton esprit, ton âme, un boulot aussi. Le soir, tout ça. Là, sous mon lit. Je vais te utiliser. Tu soutiens aussi le Dieu. Tu vas te donner un grand boulot. Seigneur, voici ton fils, Seigneur Jésus. Va sauver le nom de Zach, va sauver, va te demander de faire la capacité de donc sauter dans le nom de Zach, pour descendre sa vie, comme Isaac a dit. Nous avons le sacrifice, nous allons le sacrifice, enfant de Dieu, et qu'à partir d'aujourd'hui, sa puissance, elle est dans son sang, et si j'ai un seul prix, mais de la capacité, je lui accorde un sacrifice, oui, au travail de ta maison, et au ciel, tu veux être chef de la vie, tu l'as pas l'air, tu sais que le roi, je te donne qui suivait l'apôtre Paul dans sa mission évangélique. Aujourd'hui, tu reçois ce nom pour marcher comme c'est Isaac. Il a souhaité un prophète, ne mettons pas. Isaac, voilà. Nous te baptisons dans le nom de Jésus. Tu es mort avec Jésus-Christ. Tu es aussi avec Jésus-Christ dans sa maison. Remplis-le. Esprit de Dieu, je te prie de le remplir. Voici Isaac qui est mort et ressuscité. Nous te baptisons. Au nom de Jésus-Christ. Tu es mort avec Jésus-Christ. Tu es ressuscité avec Jésus-Christ dans sa maison. Seigneur, aujourd'hui, quand tu l'as baptisé, Seigneur, remplis-le. 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 L'esprit de la justice, oui, de la connaissance, du sang, de la parole, du feu. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Aujourd'hui, tu marches comme un vaillant héros. Tu marches comme un vaillant héros. Tu marches comme un soldat. Tu marches comme un fils du royaume de Dieu. Tu marches, oui, comme, oui, un conquérant pour aller gagner les âmes. Pour aller gagner les âmes. Pour aller gagner les âmes. Le travail que le Seigneur donne, c'est d'aller évangéliser. Tu iras évangéliser. Proclamer l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle. Tu reçois les dons de Dieu. Tu reçois les dons de Dieu. Tu reçois les dons de Dieu. Il y a la flamme. Il y a la flamme de guérison. Oh, qui cesse ta main. Il y a l'onction de guérison. Qui descend dans ta main. Qui descend dans ta main. Et ne fais plus ta main. Nous sommes plus des mains ordinaires. Mais les mains du Saint-Esprit.
Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour tout malade à qui va imposer. Que le malade soit guéri. Tout paralytique à qui va imposer. Que le paralytique marche. Qu'il marche. Mets dans son cœur la joie. Mets dans son cœur l'amour. Mets dans son cœur patience, Seigneur. Je prie qu'il te serve avec patience. Qu'il te serve avec tempérance. Je te prie, donne la bienveillance. Afin, Seigneur Jésus, oh qu'il pratique cette bénédiction. Mon Dieu, mon roi, en tout lieu, en tout lieu, donne la fidélité. Qu'il soit fidèle jusqu'à la fin. La foi qui va garder. La foi avec laquelle il va marcher. Jusqu'à la fin du parcours terrestre. Mon Dieu, mon roi, je prie. Que des prisonniers, que des prisonniers soient retenus dans les ténèbres. Je prie que par là, on soit libéré, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, en ce moment, quand tu as projet, qu'est-ce que tu as senti? Oh, qui est bébé, c'est Jésus, bébé. Oh, il y a la fête ici. La fête avec les enfants de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que tu as senti quand tu as plongé dans l'eau? Lorsqu'on m'a plongé dans l'eau, la joie est vraiment merveilleuse. C'est même là qu'on est venu. Alléluia! Alléluia! La joie, la joie, la joie, l'assurance du Saint-Esprit. La joie. Alléluia. Dès qu'on l'a plongé, il a senti la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Avec cette joie, annoncer l'évangile. Dans la joie. Tu as trouvé, tu as trouvé maintenant un boulot pour Jésus. Amen. Pour aller annoncer l'évangile aux âmes. Gloire à Jésus. Ah oui, le frère Silas. Ah, frère Silas. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu des mois. Je mets dans ta main gauche le bouclier de la foi. Tu es prêt à humilier à cause de Jésus, à être lapidé comme tu es. Alléluia. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse à la fin de ce moment? Amen. Gloire à Jésus. Donc si je vais conclure, tu as dit que tu as senti en toi une nouvelle vie. Gloire à Jésus. Tu as senti que tu as été déchargé. Il lui dit, venez d'abord vous tous qui êtes fatigués et chargés et j'ai le robot déchargé, gloire à Jésus. Et c'est ça le Seigneur qui a déchargé et qui a reçu le nouveau jour du Seigneur qui douce, gloire à Jésus. Et la Bible déclare que la loi de Dieu, le jour de Dieu n'est pas béni, gloire à Jésus. Et à partir de maintenant, le Seigneur est avec toi. Reste déterminé et combat le bon combat de la foi. Gloire à Jésus et le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. C'est le frère qui s'appelait Wolfram, mais Jésus l'a changé le nom. Il a le nom de Isaac. Alléluia. Amen. Dit ceci que tu veux que Jésus ne quitte pas tes pensées. Amen. Donc, il veut vraiment servir Dieu. Et il a besoin des capacités spirituelles, de charisme pour mieux servir le véritable. Que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, c'est votre ici. Jésus. Donc, Amen. Nous te baptisons dans le nom de Jésus. Et Dieu reste avec nous.
L'on sort des bottes, descend sur toi. Tu l'as demandé et tu l'as compris. Il te l'accorde. Tu l'as demandé et tu reçois. Demandez, vous recevrez. C'est ça. Tu as demandé. Tu as demandé à bonne part. Et le tête. Tu reçois la force. Personne. Donne ce cœur nouveau. Ce cœur pour te servir. Ce cœur pour te servir. Jésus, nous lui avons demandé qu'est-ce qu'il sent aujourd'hui. Et à ce jour, le temps baptême, elle a dit. Je sens que je suis devenu une belle personne. Même sans être plongée, elle a l'assurance qu'elle est née de nouveau, qu'elle est convertie, qu'elle est transformée. Alléluia, gloire à Jésus. C'est un fruit du Saint-Esprit qui se passe maintenant. Donc tu es en joie. Donc qu'est-ce que tu veux vraiment exprimer au Seigneur Jésus en ce jour de ton baptême? Je lui ai montré que les amis. Je veux bien appartenir. Amen. Gloire à Jésus. Elle t'a dit quoi? Papa, tu m'as. Jésus m'a dit que tu connais que ça. Est-ce que tu veux bien la porter du baptême? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Jésus m'a dit que ce que tu veux, qu'il veut te voir tous les dimanches. C'est un engagement. Tu es prête. Seigneur Jésus, ta servante dit qu'elle est prête. Elle te dit qu'elle est assise. Toujours attachée. Elle te servit. Amen. Voilà son vœu. Alléluia. Jésus, nous allons prier pour elle. Seigneur, je prie pour ta fille Déborah. Seigneur, son vif désir, c'est d'aller au ciel. Et elle a manifesté. Même avant d'être projetée, elle atteste qu'elle est devenue une nouvelle personne. Seigneur Jésus, je prie maintenant, Seigneur Jésus, Seigneur, que effectivement, réellement, qu'elle soit cette nouvelle personne à son nom, cette personne régénérée, cette personne née de nouveau, cette personne sanctifiée, cette personne, oui, purifiée, oh, dépouillée du vieil homme, mais révêtue de l'homme nouveau. Seigneur, dès que nous allons jouer ici, Seigneur, je prie maintenant, laisse le sécurité descendre. Le Seigneur, dès que nous allons commenter dans sa parole, descendre. Oh, ce panique, c'est ça. Oh, c'est bon, c'est que nous allons l'approcher. Peut-être que ce panique, c'est ça. Au nom de Jésus, j'ai commencé. Nous te baptisons au nom de Jésus-Christ. Il a reçu la joie, 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 la joie,
Seigneur, je prie, mes gars, active les dons, de parole de connaissance, les dons de parole de sagesse, les dons de discernement. Maintenant, que ces dons soient activés maintenant. Ces dons soient activés. Tous les dons qu'elle doit avoir pour te servir. Tous les dons qu'il faut qu'elle ait pour te servir. Pour faire ta volonté. Que ces dons s'activent dans sa vie. 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 Maintenant, on nous dit. Comme Anne, Anne s'est consacrée à toi. Aujourd'hui, cette esprit, je prie maintenant qu'elle demeure consacrée à toi. Daniela, nous te baptisons dans le nom de Jésus-Christ. Tu es mort avec Jésus-Christ et tu es resté avec Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit, Seigneur, c'est l'heure de l'accomplissement de la prophétie. C'est l'heure où la flamme descend. C'est l'heure où le Saint-Esprit se mouvement. C'est l'heure où elle reçoit la puissance. C'est l'heure de l'accomplissement de la prophétie. Maintenant, cet esprit. Alléluia. Elle déclare qu'elle est morte effectivement et elle est ressuscitée en Jésus-Christ. Donc, elle est née de nouveau, transformée et marche avec Jésus pour le ciel. C'est que le Seigneur t'accorde cette vie éternelle aujourd'hui. Et nous déclarons que tu la reçois au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais demander, est-ce que tu sais ce que tu veux faire aujourd'hui? Elle dit, je veux naître de nouveau. Alléluia. Je vais te baptiser. Alléluia. Je vais te baptiser pour être né de nouveau. Alléluia. Pour aller au ciel. Et elle reconnaît à qu'est-ce que Jésus-Christ est Dieu. Donc, sur ces mots, nous allons prier que le Seigneur, justement, accomplisse sa part de sa vie. Dès que nous allons la plonger, qu'elle meure complètement avec le péché, le vieil homme en Christ, et qu'elle ressuscite. Et qu'elle soit une belle créature. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, viens voici ta fille. Oui, encore une fois.
La Bible déclare dans l'île d'Esaïe chapitre 1er et Esaïe chapitre 9, le verset 1er. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une lumière répandue. Gloire à Jésus. Elle était dans les ténèbres et désormais le Seigneur a fait d'elle une nouvelle créature. Gloire à Jésus. Et Jésus dit dans l'île d'Esaïe, oui, verset 12, je suis la lumière. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre soeur. Et le Seigneur nous a donné le nom Dorcas pour elle, Tabitha Dorcas. Elle s'appelait Sylvie et lorsque nous étions. Et c'est une confirmation. Et le Saint-Esprit a donné ça au prophète. Et le Seigneur a la bouche. Tabitha, ça, c'est aussi Dorcas. Oui, c'est donc Tabitha là. Seigneur, je prie là, remplis-la de ton esprit, Seigneur. Remplis-la de ta force, de ta puissance. Seigneur, je prie de la suite, de ton feu, de ton feu. Seigneur, remplis-la. Seigneur, je prie de ton feu, 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 de ton ciel, de ton notion. Seigneur, que ton esprit la remplisse. Remplis-la. Comme un feu, 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 comme un feu
Inspire le chant. Jésus-Christ l'a transformé. Que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Que Jésus a changé sa vie. Gloire à Jésus. Va en paix, sa femme. Jésus, servant de Dieu, aujourd'hui, ressens toi et ton âme aujourd'hui à ce jour de ton baptême. La Bible dit nous sommes baptisés dans l'esprit. Voilà, donc il faut avoir fait nous. La parole est l'eau vivante même. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu peux exprimer cet engagement que tu manifestes aujourd'hui en soi, Jésus. Qu'est-ce que tu promets? Est-ce que tu as déjà des promesses que tu as fait au Seigneur? Par tes paroles. Le ciel est ici. Les hommes sont témoins. Les serviteurs de Dieu sont là. Les entités spirituelles, tout le monde est là. Et veut connaître. Veut voir l'engagement. Le baptême, c'est l'engagement de bonne conscience. Je promets d'être fidèle à Jésus-Christ. Fidèle à Jésus-Christ. Je promets d'être ses servants. Je promets, au nom puissant de Jésus, de marcher selon ses commandements. Et qui me donne la persévérance. Amen. Le Seigneur Jésus me donne la persévérance, qui me donne tous les fruits de l'Esprit Saint. Allons prier pour elle, pour que le Seigneur lui donne la persévérance. Le Seigneur nouvellement né, nouvellement inscrit dans le livre de vie au ciel. Son nom est gravé dans le livre de vie de l'agneau. Nous avons été pris dans ce livre-là. Alléluia, tu as le droit à l'héritage céleste. Je prie, 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 je pr
Marie Rose. Je recevais quand on chantait, on disait victoire. Il y a aussi que victoire, on peut dire Marie victoire. Alléluia. C'est Marie victoire, alléluia. Gloire à Jésus. Marie victoire. C'est Marie victoire. Ok, tu vas. Aujourd'hui, soeur, servante de Dieu, Marie victoire. Te baptisons dans le nom de Jésus. L'inspiration que tu me donnes, Seigneur, libère l'inspiration. Libère l'inspiration, Seigneur. Si tu as un message, que le message papa passe par sa bouche. Au nom de Jésus, ce message, Seigneur. Afin que ce don soit officiellement, authentiquement activé en elle, Saint-Esprit. Je prie que sa langue soit purifiée par le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le commencement, le dernier. Elle est ma servante. Prenez soin d'elle. Elle est ma servante. Aide-la à grandir. Je l'ai choisi à cause de son mari. Je l'ai choisi à cause de son mari. Prenez soin d'elle. Cet esprit, je que tu la remplis des compassions de femme vertueuse. Qu'elle reçoit à partir d'aujourd'hui la vertu de femme vertueuse. Amen. Femme de soumission. Amen. Femme obéissante. Femme fidèle. Amen. Femme humble. Au nom de Jésus. Cet esprit, tu n'as pas confié. Tous les temps qui sont morts, je dis que la femme de ton serviteur. Tout se réveille maintenant. Une femme de serviteur, c'est une femme qui assiste, qui manifeste les dons de sagesse, qui manifeste la puissance de la prière. Je prie maintenant que tu le revêtes du manteau de prière. Ce manteau pour qu'elle porte, Seigneur Jésus, qu'elle soit scellée dans la prière. Oh mon Dieu, mon roi, je prie, reviens-la de ce manteau maintenant. Reviens-la de ce manteau. Tu reçois le manteau. Reçois le manteau. Papa, l'épée des femmes et des échecs, qu'elle reçoit cette épée. L'épée de combat, l'épée spirituelle, pour cahier, pour proclamer, pour annoncer, pour déclarer, pour communiquer au nom de Jésus.
plus de temps à la paresse, plus de temps au sommeil. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. C'est le temps de prière. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. À part d'aujourd'hui, c'est que le ciel la reconnaisse comme femme d'intercesseur. Je prie que le ciel la reconnaisse comme femme d'intercesseur. Oh, je proclame sur, à part d'aujourd'hui, servant de Dieu. Marie-toi et déclarée servante intercesseuse. Oh, je prie que la protection de ses intercesseurs. Oh, papa, l'entrée, qu'elle reçoive sa sécurité. Que les anges descendent pour les quitter. De manière avec elle. Au nom puissant de Jésus, nous avons Amen. 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 Voilà le vrai baptême au nom de Jésus. Ce baptême authentique certifié par le Saint-Esprit. Et c'est conforme à la Sainte Doctrine. Il n'y a pas de protocole. Et il n'y a pas de cours, les longs cours de baptême. Prolonger les longs cours de baptême interminables de 6 mois, 7 mois, non. Automatiquement, que l'on croit en Jésus, on reçoit l'enseignement sur la Sainte Doctrine qui explique la vie chrétienne et en même temps on se répand, on se déconnecte du monde et on est de nouveau par l'eau de baptême au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Qui désirez vu ce moment, le Seigneur vous attend dans cette eau pour vous baptiser, afin que vous soyez officiellement déclaré citoyen du ciel. Le baptême est capital pour notre salut. Beaucoup pensent que on n'a pas besoin que Christ soit baptisé une fois et il a été accompli comme pour tout le monde. Non, vous êtes dans l'erreur. Le baptême est vraiment important parce que le baptême, que tout ce qui est voilà, et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême vient maintenant entériner notre salut. Donc, toi, tu es chrétien, et que malgré même le don, les dons que tu manifestes, tu penses que le baptême n'est pas important, bien aimé, je veux te dire comment tu es dans l'erreur. Faut pas attendre le dernier jour pour qu'au portail du ciel, qu'on te dise qu'on a pris le livre de vie, on n'a pas trouvé ton nom. C'est capital. Le baptême est vraiment capital. Chrétien. Et c'est le baptême de la Sainte Doctrine. Quand tu fais ce baptême, ça sera vraiment une nouvelle vie. Tu marcheras en côté de vie dans la sécurité. C'est là maintenant que tu verras que oui, il est plus facile pour toi de dire la sécurité. C'est capital. Gloire à Jésus. Mais quand tu as plongé, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as senti, qu'est-ce que tu as reçu? Lorsque je me suis plongée dans l'eau, vous m'avez regardé, j'ai senti que quelque chose a occupé à moi et j'ai senti une grande lumière comme ça qui me frappait. Alléluia! Dès qu'on l'a baptisé au nom de Jésus, quelque chose a sorti d'elle. Alléluia! Et instantanément une grande lumière. Alléluia! Gloire à Jésus! Jésus-Christ est la vie. Alléluia! 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 Le pasteur Lucas qui. Qui s'occupe par Alléluia, la joie. Alléluia. Alléluia. Le feu est allumé. Hey. Alléluia. Le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Alléluia, le feu est allumé. Alléluia, le feu est allumé. Oh, il y a le feu dans les chambres. On sent le feu. Le feu ici. Le feu du Saint-Esprit. Le feu vive ce feu du Saint-Esprit. Brûle en moi. 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 Brûle en moi.
Il me fait marcher sur les yeux levés. Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il me fait marcher sur le désolé. Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher sur le désolé. Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Amen. Alléluia, loué son nom. Amen. Amen. Alléluia, loué son nom. Alléluia. Alléluia. Alléluia, loué son nom. Alléluia. Alléluia. Alléluia, loué son nom. Alléluia, 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 loué son nom. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Un jour de victoire. Et le Seigneur dit dans sa parole que c'est une joie parmi les anges lorsque un seul pécheur se convertit, lorsque un seul pécheur se répand et emprunte la voie du salut. Et la Bible dit aussi dans le livre de Luc que le chemin, oui, du ciel, c'est un chemin étroit, un chemin très resserré, un chemin où nous devons vraiment nous efforcer pour entrer par la porte étroite. Et vous avez tous pris ce chemin. Et c'est le chemin de la vie éternelle. Et aujourd'hui, votre nom est écrit dans le livre de vie. Acclamez le Seigneur Jésus. Votre nom, vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et la Bible dit clairement que nous devons devenir esclaves de Dieu pour avoir pour fruit la sainteté pour la vie éternelle. Ouvrez-nous Romains 6, verset 22. Romains 6, 22. Nous allons vous exhorter un peu pour que vous puissiez vraiment comprendre le sens de l'engagement que vous êtes en train de faire. Mais en attendant Romains 6, 22, ouvrez Romains 6, le verset 3. En attendant Romains 6. Romains 6, verset 3. Oui. Romains 6, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Oui. Y aurez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort. Baptisés en Jésus. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort.
afin que, comme Christ a ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Pour... En effet. C'est bon, c'est bon. Donc, la Bible dit que si nous avons été baptisés en Jésus, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. C'est-à-dire nous avons été ensevelis de la même manière que Jésus-Christ a été enseveli. Nous avons d'abord été crucifiés, ensevelis, ressuscités comme Jésus-Christ a été ressuscité. De la même manière qu'il a été crucifié à la croix. Lorsqu'il était à la croix, il a pris le péché de tous les hommes, le fardeau du péché de toute l'humanité. Et sur la croix, il a porté ce fardeau. Il a été frappé, humilié, abattu à cause de nos péchés. Et il a été crucifié à la croix, donnant son corps comme offrande pour notre rémission. C'est-à-dire, son corps est devenu l'échange dans lequel nous serons tous sauvés. Et aujourd'hui, en vous plongeant dans l'eau, c'est que vous êtes enseveli, c'est-à-dire crucifié, enseveli. Votre péché, votre vieil homme a été crucifié. Le mensonge, la colère, la débauche, la masturbation, l'orgueil, tout ce qui est du monde est paru, tout ça, tout cela a été crucifié. Vous avez été crucifié de la même manière que Christ avait été crucifié. Et vous avez été enseveli avec lui, comme lui-même a été enseveli et a été mis dans la tombe. Mais le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. De la même manière que lorsque vous avez été enseveli, vous êtes revenu à la vie. Et la vie que vous êtes, vous avez reçue, c'est la vie éternelle. Et c'est ça qu'on appelle la nouveauté de vie. Donc ce qui veut dire que vous aviez des passions, des convoitises liées à votre vieille nature. Et le Seigneur vous a délivré, dépouillé du vieil homme. Vous n'êtes plus maintenant sous le joug du mensonge, de l'impudicité, des convoitises de ce monde. Mais vous êtes ici purifié, sanctifié. Maintenant, une nouvelle vie démarre. Une nouvelle vie remplie de fruits de l'esprit. Et le livre de Galates nous dit clairement que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, tout, etc. Donc, vous devez cultiver les fruits de l'esprit. C'est ce qu'on doit voir en vous, l'amour, la joie, la bénignité. Vous devez être ceux qui bénissent. Vous devez être ceux qui manifestent la bonté, la tempérance. Vous ne devez plus vous mettre en colère comme dans le passé. Vous ne devez plus pratiquer les œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que le Seigneur vous a délivré de ces œuvres. Et le verset que vous devez avoir en vous tous les jours, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin où Jésus viendra, nous allons vous communiquer ce verset. Et vous devez savoir que aujourd'hui, c'est le début de la vie chrétienne. La vie chrétienne démarre aujourd'hui. Parce que Christ est en vous. Et vous avez l'espérance de la gloire. Oui, Romains 6, 22. Merci, Sœur. Je lis au nom de Jésus. Oui. Mais maintenant, étant affranchi du péché. Vous êtes tous affranchis du péché. Et devenu esclave. Vous êtes devenu esclave de Dieu. Vous n'êtes plus esclave du diable. Dis, je ne suis plus esclave du diable. Je ne suis plus esclave du diable. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Et devenu esclave de Dieu. Je suis esclave de Dieu. Je suis esclave de Dieu. Je suis serviteur ou servant de Dieu. Je suis servant de Dieu. Oui. Vous avez poursuivi oui. La sainteté. Vous avez poursuivi la sainteté, c'est-à-dire le fruit que vous devez servir, qui doit émaner de votre vie, c'est la sainteté. La sainteté, c'est le fruit que vous devez manifester. En plus du fruit de l'esprit, le fruit de la sainteté est une vie pour ça. Oui. La vie éternelle est la finale. Vous avez été de l'esclavage du diable, l'esclavage du péché. Vous avez été affranchi. Vous êtes né de nouveau maintenant. Marchez directement avec Christ pour la vie éternelle. Donc, vous devez méditer la parole de Dieu. Dès à présent, votre vie doit être une vie de méditation de la parole. Votre vie doit être une vie de sanctification. Vous devez avoir une vie de jeûne et de prière. C'est important pour votre sanctification parce que la vraie sanctification, en réalité, c'est le jeûne et la prière. Si vous avez le jeûne et la prière, vous allez surmonter tous les défis, les tentations. La Bible dit que veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Donc, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et aussi, vous devez manifester les vertus du Saint-Esprit, comme le dit dans 2 Pierre 3. Du premier au verset 13, la Bible parle des vertus comme la piété,
la patience qui ressemble aux vertus ou fruits du Saint-Esprit. Vous devez avoir la science, la piété. Vous devez avoir la connaissance de Dieu, l'intelligence pour connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous aide. Amen. Et ne nous dérangez pas, nous les serviteurs de Dieu, les bergers sont là. Les bergers sont là pour chaque fois vous pète, vous exhorter, vous fortifier dans la foi, dans les moments difficiles, pour vous consoler, prier pour vous. Et nous, les enseignants, nous sommes là toujours à vous enseigner les profondeurs de la vie chrétienne, les marches, c'est-à-dire les étapes de la marche chrétienne jusqu'au royaume des cieux. Et tous les serviteurs de Dieu sont disponibles à vos côtés. Donc, basez votre vie chrétienne sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ou rien. Pas aucun homme. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui le moteur du réveil, le moteur de la vie chrétienne. Voilà. Et comptez sur lui en tout temps et il ne va jamais vous décourager. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Nous allons finaliser. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Félicitations. 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 Félicitations à ceux qui nous suivent en live. Prochainement, ce sera votre baptême. Vous serez aussi baptisés au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie, gloire à Jésus, bénissons le Seigneur Jésus pour cette grâce qu'il nous a accordée. Nous vous invitons aussi à venir assister dans cette joie. Le Seigneur qui veut vous voir, Seigneur Jésus, parce qu'un jour nous allons nous serons enlevés, gloire à Jésus. Alléluia. De nouveaux noms dans ton livre de vie. Et Seigneur, nous sommes dans la joie pour la vie de ces nouvelles âmes que tu as encore gagnées dans ton royaume. Seigneur, ils ont fait le premier pas, ils ont pris l'engagement et ils ont accepté mourir avec toi et ressusciter avec toi. Ceci étant un acte de foi, un acte d'engagement. Seigneur, je prie que cela se matérialise dans leur vie, que cela s'accomplisse dans leur vie, que chaque jour ils meurent dans le péché, ils meurent dans leur mauvaise habitude. Amen. Et que toi tu ressuscites leur vie. Amen. Et que toi tu sois vivant en eux. Amen. Seigneur, je prie que leur vie chrétienne puisse te glorifier. Quand toute chose, ils demandent ta volonté et qu'ils fassent toute chose par le Saint-Esprit, qu'ils marchent par le Saint-Esprit et qu'ils n'abandonnent jamais la foi. Amen. Seigneur, je prie que tu ne permettes pas que quelque chose vienne faire naufrage à leur foi, qu'aucune situation, qu'aucun outrage, qu'aucune persécution, qu'aucune épreuve ne vienne pour les éteindre, pour les décrouter de ta voix. Mais Seigneur, je prie que en toute situation, droit vers toi. Amen. Seigneur, tiens la main de chacun d'eux. Tiens leur main et marche devant eux. Amen. Marche devant eux. Amen. Marche devant eux. Amen. Sois comme une lumière dans la nuit. Sois comme un éclaireur. Sois comme un guide dans les ténèbres. Et Seigneur, sois, oui, comme cette parole, ce livre, pour les édifier chaque jour, pour les instruire, pour les consoler, pour les conseiller et pour les enseigner. Seigneur, je te dis merci pour la vie. Seigneur, je prie que leur nom qui sont inscrits aujourd'hui ne s'effacent plus jamais. Mais qu'ils demeurent jusqu'à ce que tu ne reviennes ou jusqu'à ce que tu les rappelles à toi. Seigneur, je prie et je recommande le bien de tes mains. Je prie que tu mettes sur chacun d'eux le sceau du Saint-Esprit et le cachet, les marques de Jésus, afin qu'ils soient reconnus fils et fille du Très-Haut, fils et fille de Jésus-Christ, fils et fille de Dieu. Amen. Merci Seigneur que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus, 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 Jésus.